Bonjour, est-ce que vous allez bien? Oui. Oui. Bon, parfait. Je suis bien content de l'entendre. Puis je suis content aussi parce que je ne vais pas être le seul qui va parler d'argent ce matin. Le pasteur Jean l'a fait un peu avant moi. Je ne parle pas juste de ça, rassurez-vous. Le titre du message ce matin, c'est « Fais de l'Église ton Église ». Amen. Quand on parle de faire de l'Église notre Église, c'est dans le sens qu'on doit y prendre part. On doit être actif dans la vie de l'Église, dans le but de préparer la mariée, de préparer l'Église pour que lorsque notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va revenir, qu'il trouve une Église prête. On ne prépare pas une mariée pour qu'elle nous plaise à nous, mais pour qu'elle plaise à Jésus. Amen. Et en ce sens, on a tous un rôle à jouer dans l'Église. J'aimerais que tu dises à la personne à côté de toi, tu as un rôle important à jouer dans l'Église. Il y en a des fois qui vont avoir un rôle plus apparent, d'autres des fois un rôle plus discret, mais le travail de tous et chacun est aussi important. Amen. Amen. Les anciens ne sont pas trop vieux ou désuets pour le ministère. Amen. Amen. Au contraire, ils ont une place très importante et ils doivent être impliqués. Les jeunes non plus ne sont pas trop jeunes pour le ministère. Ils ont juste besoin d'être dirigés par les anciens, besoin d'être formés. Si les anciens ne sont plus ici, qui va diriger les jeunes couples? Si les anciens ne sont plus ici, qui va prier pour l'Église, pour les besoins de l'Église? Si les jeunes et les anciens qui sont impliqués dans divers ministères ont à quitter, qui va se lever pour prendre la place, pour combler les places dans les différents ministères? Si les piliers qui soutiennent l'Église ne sont plus là, est-ce que l'Église va tomber ou il y a des gens qui vont se lever pour prendre la relève? Si le pasteur n'est plus là, est-ce que des gens vont se lever pour prêcher la parole et pour prendre à charge les brebis? Si nos intercesseurs ne sont plus là, est-ce que des gens vont se lever dans le secret à la maison pour prier avec larmes pour les besoins de l'Église? Aussi, si on veut avoir un impact à l'extérieur, on doit premièrement bien accomplir notre rôle d'Église à l'intérieur. Marc 2, 12 nous dit, après que Jésus ait guéri un paralytique, « Et à l'instant, le paralytique se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Le monde dans lequel on vit aujourd'hui a besoin de voir Dieu agir dans l'Église, puis que ça se voit même à l'extérieur de l'Église, de façon à ce qu'il glorifie Dieu et qu'on puisse entendre par des païens « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Pour plusieurs personnes, le christianisme n'a rien de différent des autres religions. C'est juste des personnes qui se réunissent dans un lieu pour un culte. Mais il est temps, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec toute la détresse, l'anxiété, les problèmes psychologiques et autres, que tous puissent dire « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et que tous reconnaissent que Jésus-Christ est vivant, et qu'il agit dans l'Église aujourd'hui. Si on veut entendre ces paroles du monde et voir un grand nombre être sauvés, il faut que quelque chose de différent se fasse dans l'Église de Dieu à travers le monde. Et quand je parle de quelque chose de différent, je parle de voir l'action de Dieu dans la vie de l'Église, d'une telle façon que ça va se voir de l'extérieur, comme je l'ai dit, pour que tous reconnaissent que Dieu est vivant dans l'Église. On est bien plus qu'il y a des personnes qui se réunissent pour dire des belles paroles, on est bien plus que des personnes qui se réunissent pour chanter des belles chansons. On se réunit parce qu'on a un Dieu, on a un Sauveur que plusieurs croient être mort, mais nous que nous savons être ressuscité. Amen. Et ce Dieu qui est tout-puissant pour ressusciter son Fils Jésus-Christ est aussi tout-puissant pour faire encore des miracles dans l'Église aujourd'hui et pour accomplir le plus grand des miracles de sauver des hommes et des femmes. Mais le commencement de tout ça, ça se passe dans l'Église, dans la vie de l'Église, la participation de chacun. Et c'est du rôle ce matin de chacun qu'on va parler le rôle de chacun dans l'Église. On va voir différents points. On va voir premièrement que l'Église, ça se passe en présentiel. Amen? Amen. On va voir aussi où est la place de l'argent dans l'Église. On va voir qu'on doit se sentir concerné par les besoins des autres. On doit être vigilant aussi pour ne pas laisser entrer n'importe quoi dans l'Église. On doit préparer la prochaine génération. On doit tout faire avec charité. Et Dieu doit être au centre de l'Église et qu'il doit être le cœur de toute œuvre. Donc, on devrait être pas prêt pour sortir avant 15 heures. Non, rassurez-vous, ça va être pas si pire. Donc, le premier point, l'Église, c'est en présentiel. Une des premières choses est que si tu veux faire de l'Église ton Église, tu dois être dans l'Église. Là, c'est sûr, présentement, là, je parle pas de
certains moments de transition qu'on peut avoir dans nos vies. Il y a des moments justifiables dans nos vies que ça peut se faire d'avoir les moments de transition à regarder les prédications, les cultes par Internet, puis c'est correct. Mais malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui se contentent des prédications par Internet à long terme. Mais ce n'est pas ce que Dieu s'attend de son Église. Ta participation au culte est importante. Dieu nous a créés pour être en communion, pas pour être chacun de notre côté. Puis je ne sais pas si je suis le seul, mais pendant la pandémie, il me semble qu'on l'a bien vu comment est-ce qu'on n'est pas fait pour être seul. Ça m'a fait du bien, moi, en tout cas, le premier dimanche qu'on est revenu à l'église. Comment tu peux réellement savoir comment ton frère ou ta sœur va si tu n'es pas dans l'église? Ou comment tu peux savoir comment eux peuvent savoir comment toi tu vas si tu n'es pas dans l'église? Il y a des dangers avec les prédications par Internet, les cultes complets par Internet. Il y a le danger de devenir paresseux. Pourquoi je me déplacerais? J'ai accès à tout ça de chez nous. Je peux être en pyjama pour écouter la prédication, puis je peux la regarder juste quand ça m'adonne. Fait que j'ai pas besoin de le faire le dimanche matin, en place je vais profiter du soleil. Mais à ce moment-là, Dieu n'est plus la priorité dans ta vie. Il est comme juste là pour combler des trous. Il y a aussi le danger de devenir des chrétiens tièdes. Lorsqu'on est en présentiel, on peut s'encourager les uns les autres. On peut se tirer les uns les autres vers le haut concernant l'évangélisation, par exemple, concernant notre consécration vis-à-vis de Dieu. C'est facile de perdre de son zèle pour l'évangélisation et de perdre de son zèle dans sa consécration quand on est seul. Mais quand un frère ou une sœur qui, à tous les dimanches, te demande « Ah, tu peux témoigner cette semaine à quelqu'un à ton travail? » Ou quand un frère qui te dit « Ma semaine n'a vraiment pas bien été, tu peux-tu prier pour moi, s'il te plaît? » Ça nous pousse à se décentrer, en fait, de nous-mêmes. Ça, c'est le deuxième danger qui est de devenir égoïste, d'être centré sur soi en étant seulement à la maison. C'est bon de connaître les besoins des autres, de connaître les problèmes des autres pour diriger notre regard ailleurs que sur notre nombril, ou diriger nos prières ailleurs que sur nous-mêmes. Je ne sais pas si je suis le seul, mais c'est déjà arrivé que j'étais dans une certaine situation, puis sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte que mes pensées étaient fixées en fait juste sur moi. Et un jour, quelqu'un m'a partagé un de ses problèmes personnels, et à ce moment-là, ça m'a frappé. Je me suis rendu compte, en fait, que je mettais mes yeux sur mon problème qui, dans le fond, était tellement petit à comparer du problème de mon frère. Mais j'aurais pas pu le voir si je n'étais pas venu à l'église. Dieu nous appelle à prier les uns pour les autres, mais pour ça, on doit être présent. Frères et sœurs, il y a seulement une bonne place où être le dimanche matin, et c'est dans l'église. J'ai lu dans un livre qui est « Exhortation aux jeunes chrétiens » de John Charles Ryle. Je le suggère d'ailleurs pour tout le monde, pas juste pour les jeunes chrétiens, c'est vraiment un bon livre, il y a beaucoup de matière dans ce livre-là. Il dit « L'homme qui regarde les sabbats comme un fardeau et non comme un privilège doit être certain que son cœur a besoin de subir un grand changement. » On bénit Dieu pour ce temps qu'on a le dimanche matin, premièrement avec lui, mais aussi entre frères et sœurs. Je comprends par contre qu'il y en a qui peuvent juste pas. Des fois, c'est par rapport à des raisons de travail ou autres. Et puis, il y a d'autres raisons quand même justifiables parfois. Mais je crois quand même qu'on devrait tout faire en notre pouvoir pour être dans l'Église le dimanche matin. Amen. Amen. Souvent, le commencement de l'abandon de la foi, c'est l'abandon de l'Église. Pour plusieurs raisons différentes. Des fois, c'est « Ah, j'ai été blessé par quelqu'un, je vais me retirer un certain temps, puis finalement, un certain temps finit pas. » Mais je leur dis, la seule bonne place où être le dimanche matin, c'est dans l'Église. Amen. Amen. Une autre chose, si tu veux faire de l'Église ton Église, je le dis avec amour, sans jugement, mais c'est d'être dans l'Église à l'heure. Si tu as une rencontre avec le premier ministre, arriverais-tu en retard? Je pense pas. Mais pourtant, ici, on a bien plus que le premier ministre. On vient rencontrer quelqu'un de bien plus grand que le premier ministre. Si tu arrives, par exemple, à l'église à 10h15, quand le culte commence à 10h, et que tu quittes aussitôt que la prédication est terminée pendant que le pasteur est en train de prier, en fait, c'est que ça fait qu'il n'y a pas vraiment d'église. Tu es rentré, tu es sorti, personne ne t'a vu. Peut-être que quelqu'un aurait voulu prier pour toi, aurait voulu prier avec toi, mais qu'il n'en a pas eu l'occasion parce que tu es parti trop vite. Peut-être que ça t'aurait juste fait du bien d'avoir certaines discussions avec d'autres chrétiens alors que tu passes ta semaine au complet avec des non-croyants. Peut-être aussi que Dieu avait une parole pour toi à l'ouverture du culte, mais tu n'étais pas là et tu ne l'as pas entendu. Avez-vous déjà pensé que ça se peut que dans votre vie, vous priez pour un certain besoin, que Dieu vous donne la réponse, mais vous l'avez manqué parce que vous n'étiez pas arrivé? Je vais vous donner un exemple aussi de Marianne et moi qui est arrivé il y a quelques mois. On avait un sujet personnel qu'on portait devant Dieu en prière. Et le dimanche matin, on était là environ vers 9h30, 9h45.
et on discutait avec Liane, la femme d'Hugo Tulpin. C'était simplement une discussion, et Liane ne l'a jamais su, mais elle nous a dit quelque chose qui répondait exactement à notre sujet de prière. Donc le culte n'était même pas commencé, et pour nous, on avait déjà reçu au-delà de nos attentes. On aurait pu partir à ce moment-là, et pour nous, c'était suffisant. On avait reçu. Mais on n'est pas parti. Parce que le culte de dimanche matin, c'est pas juste pour nous, c'est pour Dieu premièrement. Amen. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce point-là, mais je dirais que le commencement, si tu veux faire de l'Église ton Église, c'est que tu dois être dans l'Église et tu dois être au bon moment, c'est-à-dire du début à la fin. Maintenant, on va parler du point de l'argent. Je sais, je vais peut-être entendre un petit peu moins de « Amen » pour ce point-là, mais c'est pas pour le moins important. C'est ça. On va parler en fait de notre capacité à donner. Et par capacité, je parle pas en fait de ta capacité monétaire, mais je parle de la capacité de ton cœur à donner. Dans 2 Corinthiens 8, 12, on peut lire que « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. » En d'autres mots, dis pas si je gagne le million, là, je vais me mettre à donner. Non, tu sais, Dieu t'a donné ce que tu as présentement. Apprends à gérer ce que tu as là. Dans ton cœur, où se situe l'argent? À l'instant où je te parle d'argent, est-ce que déjà, avant que j'aille plus loin, tu as les bras croisés puis tu me dis si tu penses que je vais donner quelque chose? Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te dire, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ ne t'a pas aimé avec mesure. Jésus-Christ a tout donné pour toi. Il n'y a pas un moment où Jésus a dit « Ça y est, c'est assez, je t'ai assez aimé. » Mais pour chacun de nous, Jésus a quitté sa gloire. Il a quitté la présence parfaite de Dieu pour venir dans un monde corrompu pour souffrir pour des personnes qui ne le considèrent même pas. Quand on pense à tout ce que Jésus a abandonné pour nous, à tout ce que Jésus a laissé pour nous, on devrait être réceptif quand Dieu nous demande de donner pour telle ou telle raison. Amen. Il y a premièrement de donner à l'Église. Je vais ici amener un verset que j'aime beaucoup. Alors que David savait que Salomon allait être celui qui allait construire la maison de l'Éternel, et que Salomon était jeune et que c'était une grande tâche, David a préparé beaucoup de choses pour la maison, pour la construction. Dans 1 Chronique 29, verset 2, il dit « J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui est d'or, de l'argent pour ce qui est d'argent, de l'airain pour ce qui est d'airain, et du fer pour ce qui est de fer. » Du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres enchâssées, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. En résumé de ce verset, David a fourni la bonne matière pour le bon besoin. Et ça s'applique pour les besoins physiques dans les divers ministères, mais aussi pour l'argent. Dans l'Église, on doit aussi agir comme ça, c'est-à-dire que par exemple, si Nicole a à manquer un dimanche matin pour une certaine raison, ça veut dire que ça prend quelqu'un pour s'occuper du son. Si tu te dis, ah, étant donné que Nicole n'est pas là, je vais aller jouer de la guitare, ça n'a pas rapport, c'est pas ça le besoin. On a besoin de quelqu'un qui s'occupe du son. Ou récemment est arrivé un besoin par rapport à la toiture qui a été refaite, qui a coûté un certain montant d'argent. C'est pas avec des bananes qu'on va payer la toiture, c'est avec de l'argent. On vient ici tous les dimanches et pour certains aussi les mercredis. Mais il faut quand même être conscient qu'il y a des coûts reliés au bâtiment, au bris, à l'électricité, au loyer. Et l'Église, pour continuer, a besoin de votre contribution, comme Pasteur Jean l'a dit ce matin. Quand vous recevez des factures à la maison, comme par exemple pour le loyer, vous ne posez en fait même pas la question. Vous payez la facture parce que sinon vous allez être enlevé de là. Et pour l'Église, en fait, ça devrait être juste la même chose. On devrait même pas se poser la question. Ça devrait juste être normal de donner à l'Église de Dieu. Mais c'est sûr que dans tout ça aussi, il y en a pour qui c'est plus difficile de donner à cause de leurs moyens financiers limités, et je le comprends, et Dieu aussi le comprend. Je crois toutefois que lorsqu'on est fidèle dans nos dîmes, Dieu va honorer nos gestes, et il va être fidèle envers nous, même si ce qu'on donne parfois peut avoir l'air de rien. Je crois que l'important en fait dans tout ça, c'est d'être pas en paix avec notre portefeuille, c'est d'être en paix avec Dieu. Vous connaissez vous-même vos besoins, vous connaissez vous-même votre capacité. Je crois que l'important est de mettre ça en prière et d'avoir l'approbation de Dieu dans ce qu'on fait. Amen. Je n'insisterai pas plus là-dessus parce qu'il y a une certaine maturité dans l'Église à ce sujet-là, mais c'est quand même bon de se le rappeler. Un autre point concernant de faire de l'Église notre Église par nos finances est de donner aux gens dans l'Église qui ont des besoins essentiels. Il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que comment c'est possible que dans une Église, il y ait des riches
et qu'il y ait des pauvres qui manquent d'argent pour les besoins essentiels. Je sais qu'on se rendra fort probablement jamais, comme dans le temps du livre des Actes des Apôtres, où tous les disciples avaient tous leurs biens en commun. Mais je crois quand même qu'il ne devrait pas y avoir dans une église un frère ou une sœur qui manque de pain, un frère ou une sœur dans une détresse financière sans avoir de l'aide. Et ici, comprenez-moi bien, je ne parle pas de donner à un frère ou une sœur pour qu'il s'achète un chat. Je parle de donner pour au moins permettre à ton frère d'avoir le nécessaire. Celui qui reçoit et celui qui donne doivent tous deux accompagner leurs actions de prière. Celui qui demande ne doit pas demander plus que ce qui est vraiment nécessaire. Et celui qui donne doit donner aussi avec joie, sans s'attendre à recevoir quelque chose en retour. Jésus dit dans Matthieu 6 au verset 3, « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Amen. Tout ce qui se fait pour le nom de Jésus n'est pas oublié, et tu vas en avoir ta récompense au ciel. Mais ici-bas, attends-toi pas des hommes. Fais-les juste avec amour, sans attendre en retour. Amen. Pour ce point, oui, il y a l'Église locale, mais il y a l'Église, le besoin de l'Église aussi à travers le monde. Pour ceux qui peuvent, je vous encourage à parrainer des églises, des pasteurs, des chrétiens d'autres pays, parce qu'il y a vraiment beaucoup de besoins aussi ailleurs. Pour plusieurs, un petit montant d'argent, pour nous, représente beaucoup pour eux, en fait. Et ça les aide premièrement à nourrir leur propre famille, mais aussi, des fois, ça peut les aider à aider des personnes alentour d'eux. Et aussi, ça peut pourvoir, par exemple, à un simple vélo qui va faciliter des fois leur transport ou qui va leur permettre d'aller évangéliser plus loin que ce qu'ils n'auraient pas pu faire sans vélo. Nos petits problèmes au Québec sont pour la plupart très peu comparés à la misère qu'il y a dans beaucoup d'autres pays du monde. C'est important d'aider comme on peut ces personnes parce qu'elles sont aussi nos frères et sœurs en Christ. Amen. Maintenant, on va passer au point qu'on doit se sentir concerné par les besoins des autres. On doit vivre l'amour que Christ a pour son Église et on a besoin de beaucoup d'empathie, de se mettre à la place des autres. On a plusieurs personnes dans l'Église avec des problèmes de santé. Je pense particulièrement justement à Micheline qu'on a parlé. Il y a d'autres problèmes aussi qu'il peut y avoir comme Daniel et Pierre-Jean avec leur fondation. Il y a aussi par exemple le papa de Welta qui est atteint d'une certaine maladie. Mais pourquoi je ne prierais pas pour le père de Welta comme je prierais pour mon propre père s'il était dans cette situation-là, avec le même zèle, avec le même amour? Je vais prendre un exemple. Récemment, il est arrivé un accident aussi avec Enoch, le fils de Nadine, et il a dû aller à l'hôpital. Imaginez-vous un instant à la place de Nadine. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'événement, mais si une chose comme ça était arrivée à un de mes enfants, j'aurais certainement prié. J'aurais jeûné avec amour, avec larmes, pour qu'il soit guéri, pour avoir la joie de le revoir à la maison, en santé, pour le prendre à nouveau dans mes bras. Pourquoi je ne prierais pas de la même façon pour le fils de Nadine? Pourquoi je ne jeûnerais pas pour sa santé? Pourquoi je ne serais pas en larmes pour cette maman qui souffre dans cette situation? Il y a aussi des sujets de prière, comme par exemple pour les jeunes couples. Alors que le taux de divorce dépasse les 50%, prions pour que dans l'Église, il n'y ait jamais même la pensée du divorce. Mais pour ça, il faut se sentir concerné. Amen. Si je vois aussi mon frère prendre un chemin qu'il ne devait pas prendre, je peux et même je dois l'en avertir. Avant d'aller avertir cette personne, il est important de prier pour que Dieu vous donne la sagesse et l'amour de bien apporter cette exhortation et aussi de prier pour que la personne soit réceptive à ce que Dieu veut faire en elle. Et celui qui se fait avertir ne doit pas non plus se comparer, mais il doit regarder à sa propre course. Dans le sens que si le frère qui t'exhorte à enlever une paille dans ton œil a lui-même une poutre dans le sien, ce qu'il a à changer lui appartient. Mais ce que tu as à changer, il y a juste toi qui peux le changer. Accepte premièrement, examine en fait son exhortation. Si ça vient de Dieu, reçois-la avec humilité, peu importe qu'est-ce que lui a arrangé dans sa vie. Et éventuellement, par amour, tu pourras peut-être aussi exhorter ton frère. Mais si tu n'acceptes pas premièrement ce que lui te dit, comment tu peux t'attendre qu'il va recevoir ce que toi tu vas avoir éventuellement à lui dire? Ce ne serait pas possible que tout le monde prie pour tout le monde, mais selon ce qu'on peut faire, faisons-le. Il y a Tom Carson, pour ceux qui le connaissent, a été un pasteur assez important dans l'histoire de la chrétienté au Québec. Il disait très bien, il dit « Je suis qu'une personne, mais je suis quelqu'un.
Je ne peux pas tout faire, mais je peux faire quelque chose. Ce que je peux faire, je dois le faire. Et ce que je dois faire, par la grâce de Dieu, je le ferai. Si tu peux prier pour 3 personnes par semaine dans l'Église, tu vas quand même avoir levé l'épée pour 3 combats dans la prière et l'impact peut en être grand. Certains vont prier pour 3, d'autres pour 3 autres et d'autres pour 5 autres. Et c'est de cette façon-là qu'il va y avoir un combat spirituel fort dans l'Église et qu'il va en découler des actions de grâce, des réponses à nos prières et des témoignages qui vont faire grandir la vie de l'Église. Amen. La foi de l'Église. Au-delà de la prière, il y a des choses physiques qu'on peut faire, comme par exemple, si on sait que telle personne est dans une période difficile à son travail, vous pouvez l'appeler pour parler, essayer de l'encourager, partager à cette personne peut-être des fois de votre propre expérience du passé, des fois où Dieu a agi dans votre propre vie, sachant aussi que Dieu peut agir dans la vie de l'autre. Si tu as besoin de prière, le pasteur n'est pas le seul qui peut prier pour toi. Tu peux appeler un de tes frères, une de tes sœurs, pour qu'elle prie pour toi dans ton besoin. J'ai déjà vu quelque chose dans l'église il y a plusieurs années, mais c'est pas dans cette église-ci, qu'une personne avait un certain malaise physique et voulait absolument qu'un monsieur X prie pour elle. Mais elle ne le voyait pas. Puis là, elle demandait à toutes les personnes qu'elle croisait, « Avez-vous vu monsieur X? Ou pouvez-vous aller chercher monsieur X pour qu'il prie pour moi? » Je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais trouvé ça triste que cette madame limite la possibilité d'être guérie à un homme. Et je précise que ce monsieur X n'était pas reconnu en particulier pour avoir un don de guérison. On est tous chrétiens, on croit tous que Dieu est vivant, on croit tous que Dieu peut guérir encore aujourd'hui, et on croit tous que c'est pas un homme qui guérit, mais Dieu. Amen. Donc pourquoi là où il y a 150 chrétiens alentour de toi, tu veux absolument que ce soit monsieur X qui prie pour toi? Si j'ai un problème, pourquoi je ne demanderais pas à Lorraine de prier pour moi? Pourquoi je ne demanderais pas à Delphine de prier pour moi? Pourquoi je ne demanderais pas à Jacques de prier pour moi? Il ne faut pas limiter l'action de Dieu à une seule personne. Amen. Et le rôle de tous là-dedans, c'est d'être disponible l'un pour l'autre et de chacun veiller sur l'état de son âme. Parce qu'à n'importe quel moment, un frère ou une sœur peut te demander de prier pour lui. Comme un guerrier toujours prêt au combat. Soyons des chrétiens toujours prêts à prier. Amen. Au-delà des besoins charnels, des besoins physiques de nos frères et sœurs, on doit être là pour les besoins spirituels de chacun. Comme Jésus dit dans Marc 1, verset 38 à ses disciples, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Le but principal de Jésus n'était pas de guérir des gens, mais de sauver des hommes et des femmes et de les appeler à vivre comme Christ a vécu, de les appeler à vivre une vie de soumission envers Dieu. Oui, Jésus veut nous guérir. Oui, il veut nous faire du bien. Mais au-delà de ça, il veut que des hommes et des femmes soient sauvés. On peut lire dans Apocalypse 3, versets 2 à 5. On va lire seulement les versets 2 et 5. Là. Le verset 2 dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Si tu vois quelqu'un qui est prêt de mourir, c'est ton rôle, c'est ton devoir de l'affermir. Et au verset 5, il dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » C'est une exhortation que Jésus fait à une certaine église à un certain moment, mais ça s'applique à nous tous. Les exhortations dans la Bible sont toutes sujettes un jour d'être pour nous personnellement dans notre état spirituel du moment. Et on doit veiller sur notre âme. Je veux pas pour moi-même que mon nom soit effacé du livre de vie. Je ne veux pas non plus pour ma femme, je ne veux pas non plus pour mes enfants, mais je ne veux pas non plus pour chacun de vous ici. En tant que papa de maintenant 5 enfants, je vois, je vis, je connais comment les enfants sont importants. Si mon enfant est triste, je veux le consoler. Et s'il y a dans l'Église un enfant de Dieu qui est triste, je veux aussi le consoler. Parce que je sais c'est quoi la douleur d'un père de voir son enfant pleurer. Je veux aussi faire de vos enfants mes enfants, dans le sens où je veux prier pour leur salut. Quand on y réfléchit, quel est le pourcentage d'enfants qui ont grandi dans une famille chrétienne et qui ont délaissé la foi? Mais je veux vous dire que je veux pas me soucier des statistiques, autant pour mes enfants que pour les vôtres. Ce que je veux, c'est de prier pour qu'eux restent tous fidèles à Dieu. Je veux que l'Église de Dieu, et je ne parle pas de l'Église ici seulement, mais de l'Église de Dieu à travers le monde, je veux que l'Église de Dieu change les statistiques.
Là où avant, peut-être, 2 enfants sur 10 restaient dans l'église, je veux en voir 10 sur 10. Là où avant, peut-être, 1 enfant sur 100 allait prêcher la parole, je veux en voir 10 sur 100. Là où avant, peut-être, 5 enfants sur 1000 devenaient missionnaires, je veux en voir 30, 60, 100. Puis je veux que les statistiques changent pour l'unique gloire de Dieu, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Pour continuer dans le point de se sentir concerné par le besoin des autres, j'aimerais vous dire que personne dans l'Église ne devrait tomber sans être relevé. Dans Proverbe 4, les versets 9 et 10, on peut lire « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. » Je l'ai dit, mais je le répète, personne dans l'Église ne devrait tomber sans être relevé. On devrait être là, les uns pour les autres, pour s'encourager, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour se réjouir avec ceux qui se réjouissent, pour relever ceux qui tombent. Relever ceux qui tombent des fois dans l'abattement, ceux qui tombent aussi dans le péché, ceux qui tombent dans l'angoisse, ceux qui tombent dans la paresse. Quelque chose qui est frappant à travers le livre des Actes est à quel point le jeûne et la prière sont omniprésents. À travers ce livre, on voit Dieu agir avec puissance. On voit les dons du Saint-Esprit en action. Mais on voit aussi les disciples être unis dans la prière. Ils sont rigoureux, persévérants dans le jeûne et la prière. Frères et sœurs, si on veut voir des grandes choses dans l'Église, on doit être prêt à vivre de grands sacrifices. Je vais le répéter parce que c'est vraiment important. Si on veut voir de grandes choses arriver dans l'Église, on doit être prêt à vivre de grands sacrifices. L'un ne va pas sans l'autre. On doit être prêt à mourir à nous-mêmes pour la gloire de Dieu et pour le bien de son Église. Il y a le point aussi qu'on doit vouloir les dons spirituels en action dans l'Église pour les bonnes raisons. Il ne faut pas que ce soit pour s'élever par rapport à d'autres églises. Il ne faut pas non plus que ce soit dans le but d'attirer l'attention sur nous, ni pour faire comme si ces miracles arrivaient grâce à nous. Pierre le dit bien suite à une guérison dans Actes 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? » Les miracles n'arrivent pas à cause des actions d'un homme ou d'une belle parole d'un homme, mais le miracle, c'est la grâce de Dieu envers sa création. C'est la compassion de Dieu et c'est aussi pour que son nom à lui seul soit reconnu. Pour prier avec passion, avec zèle, avec amour, avec persévérance, on doit se sentir concerné par le besoin des autres. Il y a des fardeaux dans nos vies qui seraient tellement plus légers à porter si on les portait avec les autres. On va parler maintenant au point de ne pas laisser n'importe quoi entrer dans l'Église. On va lire un court texte dans Matthieu 21, les versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Dans la maison de Dieu, on est là pour prier. On est là pour louer. On est là pour rendre la gloire à Dieu. Il ne faut pas laisser n'importe quoi entrer dans l'Église. C'est plus vraiment d'actualité d'avoir des vendeurs de pigeons dans l'Église. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire rentrer dans l'Église dont Dieu n'est pas en accord. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour le péché, pas de place pour le compromis, pas de place pour la mondanité. Il y a de la place pour le pécheur, mais pas pour le péché. On doit faire attention à ce qu'on fait dans l'Église. On n'est pas ici en présence d'hommes seulement. On vient en présence de Dieu, notre Créateur. On vient dans la présence d'un Dieu saint. On vient en présence de celui qui a donné sa vie pour nous. On vient en présence de celui qui nous donne la vie éternelle et qui est en train de nous préparer une place. On est en présence de notre époux, en présence de celui qui nous a aimés en premier. C'est une pensée qu'on devrait toujours avoir, mais particulièrement dans l'Église. Quand on s'apprête à faire quelque chose, on devrait se poser la question, si Jésus était dans le banc juste à côté de moi, est-ce que je ferais ce que je m'apprête de faire? Est-ce que je dirais ce que je m'apprête de dire? On doit faire le ménage de tout ce qui n'est pas de Dieu dans l'Église. Dans la Bible, on peut lire que lorsque le peuple venait devant Dieu pour certaines raisons, le peuple devait d'abord se purifier. Quand on vient dans la présence de Dieu, on doit faire le ménage dans notre cœur. On doit rejeter certaines choses dans nos cœurs pour être agréable devant Dieu, sans les reprendre après.
Quand on est dans la louange, on n'est pas supposé être en train de penser à la partie de hockey de la veille. On n'est pas supposé être en train de penser à ce qu'on va manger pour dîner. On est ici pour rendre gloire à Dieu, et Dieu mérite toute notre attention. Si tu as un souper au restaurant avec ta femme, c'est pas le temps d'être sur ton téléphone. C'est pas le temps de penser au travail ou à quoi que ce soit d'autre. Ta femme s'attend à ce qu'à ce moment, ton attention soit sur elle. Combien plus pour Dieu, on doit essayer de repousser loin de nous toute distraction quand on vient dans sa présence. Pas de dissolution, pas de compromis dans l'Église. Je vais prendre pour exemple le peuple d'Israël. Après qu'ils aient vaincu leurs ennemis avec Josué à leur tête, ils ont tiré au sort en fait pour savoir quelle ville allait être attribuée à quelle tribu. Et ensuite, c'était à chacune des tribus individuellement de prendre possession de leur ville et de chasser les ennemis. Mais plusieurs tribus n'ont pas respecté ce que Dieu avait demandé et ont cohabité avec les peuples étrangers en les rendant assujettis à un tribut. Peut-être parfois par peur, peut-être d'autres fois parce que ça faisait leur affaire d'avoir un petit peu d'argent de ces peuples-là, je sais pas trop. Mais le fait qu'ils ont laissé ces peuples habiter au milieu d'eux a fait en sorte qu'ils sont devenus pour Israël une occasion de chute plus tard. Ils ont éventuellement marié leurs fils avec des filles de peuples étrangers. Ils ont adoré d'autres dieux. Bref, leur désobéissance du départ les a amenés à éventuellement abandonner l'Éternel. Et c'est un principe qui s'applique encore à l'Église d'aujourd'hui. Comme c'était à chaque tribu de prendre possession de son héritage, aujourd'hui c'est à chacun de nous de s'assurer que tout ce qui se fait dans l'Église est conforme à la parole de Dieu. Pour la prédication, pour la louange, pour l'éducation à nos enfants, pour la gestion des finances de l'Église, pour les ouvertures en début de culte, pour nos discussions qu'on a les uns avec les autres, que tout soit fait conformément à sa parole. Amen. Dans l'Église de Dieu, on doit y retrouver la parole au complet. Même si parfois certaines personnes peuvent ne pas aimer entendre parler de certaines choses, comme par exemple le péché, la crainte de Dieu, l'évangélisation, l'humilité, l'abandon de soi-même, l'enfer. Il y en a d'autres aussi. Parce qu'ils veulent peut-être une vie de chrétien pour ce que ça peut leur apporter, mais ils ne veulent pas nécessairement mettre la parole en pratique, ils ne sont pas prêts nécessairement à soumettre leur vie totalement à Dieu. On doit être des chrétiens prêts à mourir à nous-mêmes pour que la parole de Dieu et pour le bien, pour la parole de Dieu, non, pour la gloire de Dieu, excusez-moi, et pour le bien de son Église. On doit laisser de côté parfois la façon dont nous, on aimerait que l'Église soit. Comme je l'ai dit au début, on ne prépare pas notre épouse, on prépare l'épouse de Jésus-Christ. Dans l'Église, on veut toute la parole de Dieu, et c'est notre rôle à tous de s'assurer que l'Église reste authentique. Pour la prédication, on devrait être comme les habitants de Béré, dans le livre des Actes, où eux, en fait, ils recevaient la parole de Paul et Silas, et ils examinaient pour être sûrs que tout ce qu'on leur disait était fidèle aux Écritures. Mais ça, c'est notre rôle à tous et chacun de le faire. On va passer au prochain point maintenant, qui est de préparer la prochaine génération. Psaume 145, les versets 4 à 7, on peut lire. « Une génération célébrera tes œuvres auprès de l'autre génération, et elles raconteront tes actes puissants. Je parlerai de la magnificence glorieuse de ta majesté, de tes actes merveilleux. » Et ils diront la force de tes actes terribles, et moi, je déclarerai tes grands faits. Ils feront jaillir la mémoire de ta grande bonté, et ils chanteront hautement ta justice. Les anciens particulièrement ont ce rôle-là, de partager le témoignage de leur vie, de partager les œuvres que Dieu a faites dans leur vie, de partager combien Dieu a été riche en bonté, combien Dieu a été riche en fidélité dans leur vie. Partagez les moments où vous avez été en larmes pour un sujet dans votre vie et dans une situation dans laquelle vous étiez découragé, dans laquelle vous vous sentiez abandonné, mais où Dieu vous a montré qu'il est souverain, qu'il vous a montré qu'il était au contrôle. L'Église a besoin de ces témoignages qui fortifient la foi et qui sont vraiment importants pour donner une base solide à nos jeunes. C'est bon de leur transmettre notre connaissance, mais leur transmettre votre expérience va leur donner quelque chose de concret sur quoi s'accrocher lorsqu'ils vont passer dans des situations semblables aux vôtres. Souvent, on voit dans l'Ancien Testament des personnes bâtir un autel pour Dieu pour se rappeler ce que Dieu a fait pour eux. Est-ce qu'il y a des gens ici qui croient encore au miracle? Moi, j'y crois. Amen. Et je pense que c'est important de noter quelque part les miracles de Dieu dans vos vies, les réponses de Dieu à nos prières. C'est bon aussi pour nous-mêmes, parce que parfois, quand vient des doutes, quand vient du découragement, on peut s'appuyer sur ce que Dieu a fait dans notre propre vie.
C'est bon quand on est dans une période plus difficile de se souvenir des fois où Dieu a agi pour nous. Et on peut aussi noter les petits miracles qui peuvent avoir l'air de rien peut-être pour les autres, mais pour que nous, on sait être une réponse directe de Dieu. Jésus nous a aussi donné un exemple à suivre pour ce qui est de préparer une relève. Jésus enseignait à beaucoup de personnes, mais il avait 12 disciples en particulier, auxquels il donnait encore plus d'enseignements, plus d'explications. Excusez-moi. Jésus a formé pendant 3 ans ses disciples parce qu'il savait qu'un jour lui-même allait mourir et qu'il devait préparer des gens pour annoncer l'Évangile. Essayons d'imaginer un instant l'impact que ça pourrait avoir si chacun de nous formait 2 autres personnes pour la propagation de l'Évangile, mais aussi pour combler les différents ministères dans l'Église. Mais pour ça, il faut que chacun fasse de l'Église son Église. Pour ça, il faut être prêt à s'investir dans l'Église plus qu'un petit 2 heures le dimanche matin, parce que ton rôle dans l'Église ne s'arrête pas quand tu passes la porte en arrière. On va parler maintenant de la charité. 1 Corinthiens 13 nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. » Tout ce que j'ai dit depuis le début tantôt, si c'est pas fait avec charité, si c'est pas fait avec amour pour notre prochain, ça sert à rien. On doit développer toutes les caractéristiques de la charité qu'on vient de lire. On doit oublier nos propres désirs et chercher le bien de l'autre. Jésus nous appelle à être le serviteur de tous. Amen. Jésus dit aussi dans Matthieu 12 au verset 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. On doit vraiment être plein d'amour pour les autres. On doit être à l'écoute des autres. Je me souviens pas où j'ai entendu ça, mais je trouve que l'image est vraiment très bonne. Avez-vous déjà remarqué que Dieu nous a créés avec 2 oreilles, mais seulement une bouche? Le message est clair, on doit avoir plus d'écoute que de parole. Ça nous montre vraiment l'importance de l'écoute. Et une bonne écoute se fait avec amour, dans le but de réellement comprendre le besoin de l'autre pour pouvoir l'encourager, pour pouvoir l'aider. Mais ça passe par l'écoute. Galates 5, verset 24, il nous dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Pour ceux qui sont en Christ, il n'y a plus question de « mes désirs », mais c'est « ses désirs ». Il n'y a plus mon orgueil, mais sa gloire dans mon humilité. Ce n'est pas l'Église à mon goût, mais l'Église à son goût. Amen. La charité, c'est de faire passer le besoin de l'autre avant notre propre besoin. La charité n'abaisse pas les autres, mais la charité élève l'autre. Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait de l'amour pour son prochain. Il nous reste maintenant juste à le mettre en pratique. Ensuite, on va lire que Dieu doit être au centre de toute œuvre. Psaume 127, versets 1 et 2. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Par notre soumission, par notre obéissance, on peut avoir la grâce de la présence de Dieu dans notre Église. Mais par nos œuvres, on peut aussi faire sortir Dieu de notre Église. Tout ce qu'on fait, même dans l'Église, si ce n'est pas dirigé par Dieu, si ce n'est pas fait avec l'accord de Dieu, c'est une chose faite en vain. Si on sort pour faire une œuvre d'évangélisation, si ce n'est pas fait avec l'accord de Dieu, c'est fait en vain. Si on a une rénovation à faire dans l'Église, si c'est fait sans l'accord de Dieu, c'est fait en vain. Tout ce qui se fait dans l'Église doit nécessairement commencer dans la prière. Si tu veux te joindre à un ministère dans l'Église, prie premièrement.
Si tu veux corriger un frère ou une sœur, prie premièrement. Pour que, premièrement, Dieu te donne les bonnes paroles, que son Saint-Esprit t'accompagne pour que ces paroles d'encouragement aient un réel impact dans le cœur de la personne. On doit vraiment s'assurer, tous et chacun, de garder la présence de Dieu dans l'Église, de s'assurer de toujours avoir l'approbation de Dieu dans ce qu'on fait. Parce qu'on peut faire les plus belles œuvres au monde, si c'est fait sans Dieu, ça sert à rien. Dans Actes 5, au verset 38 et 39, alors que les Juifs étaient jaloux des apôtres et voulaient les faire mourir, un pharisien Gamaliel, docteur de la loi, parle aux Juifs avec sagesse. Et il dit aux Juifs, « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Si on fait les choses sans l'approbation de Dieu, ce qu'on fait ne sert de rien. Et ça va finir par se détruire. Mais si ce qu'on fait comme Église pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est conforme à la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire que rien ne pourra détruire nos œuvres. Au contraire, elle va faire prospérer son œuvre pour la gloire de son nom. En finissant, je veux juste repasser ce qu'on a vu brièvement. Pour faire de l'Église notre Église, la première chose est que tu dois être dans l'Église. Les prédications par Internet, c'est bien pour ce que ça peut apporter de plus, mais on ne doit pas se limiter au « en ligne ». Dieu nous a créés pour être ensemble, unis comme une famille. Et en étant présent, on doit être participatif au culte. On ne doit pas juste être des spectateurs. Amen. On a vu qu'il est important de contribuer financièrement aussi à l'Église. Dans nos budgets personnels, on peut avoir un budget pour les factures, un budget pour l'épicerie, pour le restaurant, pour des rénovations, mais il est important de placer un budget spécifique pour l'Église. Et quand je dis pour l'Église, on a parlé de la dîme, on a parlé des besoins essentiels de nos frères et sœurs, puis de nos besoins, les besoins essentiels aussi de nos frères et sœurs à travers le monde, pour ceux qui le peuvent. On a vu qu'on doit se sentir concerné par les besoins des autres dans l'Église. On doit être sensible à la souffrance des autres et on doit toujours être prêt. On doit veiller sur l'état de notre âme pour être prêt à tout moment pour prier les uns pour les autres. Un autre point est qu'on doit aussi faire attention à ce qu'on laisse entrer dans l'Église, parce que parfois les compromis qu'on accepte maintenant peuvent devenir éventuellement une occasion de chute, comme l'a vécu le peuple d'Israël. On a vu l'importance de préparer une relève. Merci Seigneur pour ce qu'on a aujourd'hui. Mais si ce qu'on a aujourd'hui, on l'a en fait, c'est parce que quelqu'un nous l'a légué. Il y a des choses qu'on veut léguer après notre mort qui vont être réparties différemment selon notre testament. Mais la chose la plus importante à léguer, c'est notre foi en Jésus-Christ, notre expérience pour aider la prochaine génération. C'est bien de partager la connaissance, mais l'expérience qu'on partage aux jeunes va les aider dans tout leur cheminement pour qu'éventuellement ils marchent tous dans toutes les voies de Dieu. Les deux derniers points sont tellement importants. On doit tout faire dans l'Église avec charité. Comme on l'a lu dans 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » L'amour dans l'Église doit être le moteur de nos œuvres. Parfois, on est mieux de rien faire plutôt que de faire quelque chose sans amour. Il faut passer par-dessus nos différends et agir les uns envers les autres avec amour. Et le dernier point est que Dieu doit être présent dans tout ce qu'on fait. Il est nécessaire, quand on fait quelque chose, que Dieu y soit au centre. Jésus dit dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu doit être le centre de nos actions dans l'Église. Si on doit avancer, qu'on avance avec le Seigneur. Si on doit aller à droite, qu'on aille à droite avec le Seigneur, mais qu'on fasse jamais rien sans lui. Amen.